Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Fait que je vous ai même pas encore mis celui que je vais mettre aujourd'hui, mais je voulais quand même en commencer un nouveau parce que j'ai été faire plein de commissions aujourd'hui avec ma mom. Ben, dans le fond, on était à l'épicerie et au Dollarama, j'étais vraiment dû pour aller au Dolo pour une virée de Dollarama. Vous savez comment j'aime ça. J'aime toujours vous montrer mes petits achats. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer le vlog et je vais vous montrer mon épicerie pour la semaine, puis mes petits achats. Fait que c'est ça, je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même du stock. Fait que de l'eau, j'ai pris trois cannes de soupe tomate, toujours vraiment pratique. Ensuite de ça, une spatule. C'est vraiment niaiseux, mais j'en ai déjà deux, puis je me rends compte à quel point on a toujours besoin. Puis on dirait qu'il y en a toujours une dans le lave-vaisselle. Fait que bref, je me suis allée en acheter une autre. J'ai pris des nouveaux trucs pour Simone. Fait que j'ai pris de Purina Dental Life Chew. En tout cas, ça fait vraiment longtemps que je regarde les trucs pour les dents. Tu sais, j'en ai vu chez Mondou puis tout ça, là, si je me trompe pas. Fait que je pense que c'est quand même super bon. Puis je me suis dit que ça pouvait être bon justement pour ses dents. Puis comme elle aime tellement ça, ces genres de choses-là. Puis aussi pour elle, là, j'ai pris ça. Croustillant de porc. Puis je sais qu'elle aime vraiment ça, les trucs genre fumés. On y en a acheté justement chez Purina l'autre jour. Elle a trippé, genre elle l'a mangé en deux jours. Puis c'était quand même un long os, là. Mais là, ça, c'est juste hein, des petites bouchées comme ça. Je pense qu'elle va bien aimer. Ensuite de ça, mon assouplissant que je prends toujours, moi, j'en mets vraiment pas dans toutes mes brassées. Puis, je fais vraiment longtemps avec, puis il est pas cher, puis il sent super bon. J'ai pris du savon à main. Je trouve vraiment qu'il ressemble à ceux de Bath & Body Works. Pour dans la cuisine, on a terminé, lui, dans la cuisine. Petite collation, j'ai pris des petits trucs comme ça aux pommes, là. Je trouve que ça se met vraiment bien dans la boîte à lunch. Classique céréales au dolo, vraiment pas cher. J'ai pris du macaroni aussi. Et des Q-tips, j'y allais en particulier pour ça. Ensuite, on tombe dans mon petit bouquet-end. Dans le fond, je vais parler, là, je vais comme un peu faire un comme de makeover de ma galerie. Puis là, j'ai comme vu des petits trucs vraiment cute chez Dolo. Fait que premièrement, petit bout qui allume. Il a allumé tout le long pendant que je magasinais au Dolo. Je le trouvais trop cute. Fait que sûrement qu'il va aller genre sur ma galerie. Là, je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre pour l'instant vu que la galerie n'est pas encore faite. Mais c'est un truc comme solaire. Là. Fait que je le trouvais trop cute. J'adore les hiboux. Et mes achats préférés. J'ai acheté ça. Regardez la beauté. Genre la petite aile, là, est trop cute. Je vais mettre... Dans le fond, on peut l'accrocher. Mais moi, je vais la planter à côté du poulailler. Genre, ça va être tellement cute. Je capote. J'ai quasiment peur qu'il ait peur de la poule en personne. Et pour le jardin, j'ai fait une surprise à Sam. Regardez la belle vache! Ça aussi, je vais la planter genre soit à côté du jardin ou dans le jardin, dans un petit spot. Il va capoter. Il va tellement la trouver belle. Fait que j'adore. Fait que là, dès que je termine de tout ranger ça, je vais aller les installer puis vous montrer. Mais là, je vais aller sortir Simone dehors. So, partie épicerie maintenant. J'ai rangé mes trucs du Dolo, fait que je me suis fait comme de la place. Fromage marbré comme d'hab. Ces petits craquelins-là, vintage, je les adore. Puis genre, je suis pognée sur un trip, je mange ça avec une vache qui rit. C'est délicieux, ça, genre ça me bourre. Un avocat, j'aimerais ça faire des bols mexicains cette semaine. Un concombre, de la crème sauce justement pour mes bols. C'est tellement bon avec ça. Petite patate déjeuner que j'ai adorée la dernière fois que j'ai acheté. Les petits romaines en spécial. J'ai pris un gros pack de filets de poulet comme ça parce qu'il était, ben, il était pas en spécial, mais c'était comme pour 10$. Fait que je trouvais que ça valait vraiment la peine. Puis nous, on adore ça pour vrai, là, ça dépend vraiment bien. Quand on arrive tard le soir, j'ai pris deux pains comme ça. Ça passe vraiment vite chez nous. Des bananes. Ils étaient vraiment déjà mûrs, là. Ça me stresse un peu, mais bon. J'ai acheté des haricots verts. J'ai retrouvé une passion pour ça. C'est tellement bon avec de l'huile d'olive puis genre plein d'épices. Fait que je vais sûrement manger ça, je pense, ce soir avec un morceau de viande que je vais faire cuire. Gros pack de croissants. J'ai acheté ça, la gang. Je me suis gâtée. Des popsicles genre à la limonade. Dans le fond, c'est des popsicles genre aux fruits. Fait que fraises, limonade. Puis on en a mangé moi et ma mère tantôt. C'est délicieux. Fait que ça va faire un bon petit snack, là. C'est vraiment rare qu'on ajoute des trucs comme ça, mais ça fait changement, je trouve, pour l'été. Un petit jus Oasis. Les blenanes étant spéciales, mais dans le fond, c'était 5 pour 3. Fait que j'en ai acheté 5. J'ai bien hâte de voir s'ils vont être bons. Des patates, toujours vraiment pratiques. Et du beurre de peanuts,
parce qu'on n'en avait plus. Fait que je pensais que j'avais plus de choses que ça, mais juste pour vous dire, là, mon épicerie est quand même petite, puis ça faisait 2 semaines qu'on n'était pas allé à l'épicerie. Fait que je me trouve vraiment bonne par rapport à l'épicerie, pour vrai, là. Puis on manque de rien, là. Juste qu'on fait beaucoup avec qu'est-ce qu'on a, puis dans le fond, nous, on a toute notre viande, on a nos œufs, notre lait. Fait que c'est sûr que ça paraît vraiment beaucoup, là, sur le prix de l'épicerie, puis sur qu'est-ce qu'on a acheté, mais quand même. Fait que ceux qui vont à l'épicerie, genre, à toutes les semaines, que ça leur coûte, genre, méga cher, on dirait que... Ben, je sais pas si c'est nous qui fait quelque chose de différent ou pas, mais bref, je suis bien contente. Fait que ça faisait 2 semaines qu'on était pas allé à l'épicerie, puis j'ai vraiment pas acheté grand-chose. Ça m'a coûté 70$. Hein. Puis on va super bien manger. Fait que je range tout ça, puis là, je pense que je vais faire du Jello à Sam. Ça fait tellement longtemps qu'il m'en demande, je pense que je vais faire du Jello pour cette semaine. Puis comme dessert aussi, ça peut vraiment être bon, genre, c'est comme juste un petit sucré. Puis j'ai envie de me faire de la soupe. Fait que je sais pas si je m'embarque dans tout ça, mais je pense que oui. J'ai le temps, là, il est 4h. Ça a été vraiment une belle journée avec ma mom. J'ai travaillé ce matin dans le fond au bureau. Là. On est lundi de congé, là. J'ai pas tant précisé. J'ai travaillé au bureau ce matin, j'avais quelqu'un, puis j'ai préparé mes rencontres pour la semaine un petit peu. Après ça, j'ai passé la journée avec ma mère, puis ça a été vraiment plaisant. Fait que c'est ça. Puis là, il fait vraiment beau. Fait que je sais pas, là, je pense que je vais comme faire un petit peu de bouffe pour la semaine, puis... en profiter, puis prendre ça vraiment, vraiment relax, parce que c'est une grosse semaine. Je m'étais fait dégeler un gros morceau de viande, comme ça. Puis là, j'ai fouillé, genre, dans mes épices, puis j'ai trouvé ça des épicures que j'avais reçues. À la mode du Sud. Fait que c'est genre comme de chapelure. Mais moi, là... Ah, OK, ça le dit pour du porc filé aux côtelettes, 20-25 minutes. Bon. En tout cas, regarde-moi, là, je pense que je vais l'ouvrir de même. Hey, ça sent bon. Oh! Ouais, je pense que je le mettrai pas tout, mais comme je vais le saupoudrer. Et ça a de l'air méga bon. Ça sent vraiment bon, en tout cas, les petites épices. Ah, et puis moi, je vois tellement à l'œil pour vrai, la gang. Là. Malheureusement, je pourrais pas vous donner de recette, mais genre, je vais juste mettre ça comme ça. Là, j'ai toutes les mains dégueu. Mais ça sent trop, trop, trop bon. Fait que ça de même. Puis, encore épicure, mes 3 oignons pour vrai, là, genre, ça fait vraiment pas si long. Ben, c'est quand j'ai été au chalet avec ma famille, ça fait quand même une couple de mois, mais hey, je mets ça dans tout, 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 tout. Encore des épicures, je suis rendue, ouais, il me reste genre encore. Fait que ça aussi, je vais le saupoudrer de même. Ah, c'est tellement bon, ces affaires-là. Je vais mettre un peu de persil. Un peu de tout ce que j'ai dans le fond. Ça, ça m'avait acheté ça, puis ils aiment full. C'est ail, rôti et poivron. Fait que pour de la viande, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je vais en mettre plus que pas assez. Un peu de poudre d'ail. Puis je vais mettre un peu de paprika. Fait que ça va être ça, puis je vais comme le masser. Oh, regardez comment ça a de l'air. Taste! Fait que... Je vais juste comme pour bien qu'ils prennent le goût. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Puis je vais embrouiller ça au four. Fait que ça va être ça comme ça. Puis je pense que je vais le faire avec c'est ça, mes haricots verts. Puis j'ai des patates. Fait que je pense que ça va être trop, trop, trop bon. C'est ma mère qui se faisait de la bonne viande comme ça. Puis dans le fond, on est chanceux. Là, nous, on en a. Fait que j'ai genre juste fouillé dans le congèle. Puis j'ai trouvé ça. Puis je pense que ça va être délicieux. J'ai mis ça dans un trop beau plat de Pyrex. C'est tellement quétaine. Mais je pense que c'est à ma mère, mais ça doit être comme ma grand-mère qui avait ça. Je trouve ça si beau pour vrai. Fait que j'aurais pas pris tout le sac des piquots, mais je pense pas que ça servait à quelque chose. Ah, c'est vrai, ma mère, elle avait mis un peu de beurre. Fait que je vais mettre un petit peu de beurre, de l'eau, puis j'aurai ça au four, puis je vous montrerai là, à quoi ça ressemble genre ce soir. Je pense que ça va être délicieux. Dans le fond, je suis une longe de porc, je l'ai pas dit. Je suis en train de me faire une bonne soupe. Fait que moi, j'ai trouvé la motivation, là, mais j'aime tellement cuisiner que c'est toujours vraiment plaisant. Fait que dans ma soupe, je mets du bouillon de poulet. Puis là, je pense qu'il m'en reste à peu près la moitié. Fait que je vais en mettre la moitié, mais je vais vraiment à l'œil. Puis je rajoute un peu d'eau aussi. Puis là, je vais à côté sur une canne de grosses tomates coupées italiennes. Fait que ça, j'en mets une complète. Fait que ça donne tellement de goût. Puis j'ai mis du chou. J'avais acheté un chou, ça fait quand même ben, un petit bout, mais tu sais, il est encore super bon. Fait que j'en ai mis, puis j'adore la soupe au chou. J'ai mis des carottes, des oignons, un restant de céleri qui me restait. Fait que là, je l'ai fait cuire en ce moment là,
dans ma chaudronne langoustina que j'adore, qui est si belle. Fait que je vais mettre ça puis ça, puis je vais voir aussi la texture, je vais rajouter full d'épices, puis je vais mettre aussi des pâtes. Fait que d'habitude, j'achète comme des petits sacs préparés, genre. Là, je sais que j'en ai plus, mais je pense que je vais mettre genre soit du macaroni ou du spaghetti cassé. Ma mère a fait ça, puis c'est super bon, puis ça donne un peu plus de texture. Puis de consistance, on pourrait dire. Fait que alors, ça sent tellement bon. Là. Fait que j'ai mis ma viande au four avec ça aussi. Fait qu'on va être prêt pour la semaine. Je suis tellement contente. C'est tellement plaisant de faire de la bouffe pour la semaine. Checker comment c'est cute. Ben là, je l'ai mis là, c'est juste en attendant que ça m'arrive pour qu'ils voient. Mais je vais sûrement le déplacer. Là. Je suppose qu'on va le mettre peut-être à l'entrée comme du jardin ou à quelque part l'autre côté. C'est trop cute, pour vrai. On n'a pas encore implanté nos choses parce que, mon Dieu, cette semaine, il a tellement fait froid. Même aujourd'hui, là, c'est limite froid aussi. Fait que je vais attendre vraiment plus vers la fin du mois de mai. Là. Fait qu'environ vers, dans une semaine, on va pouvoir planter nos choses puis on s'embarquer sur le reste de l'agrandissement du jardin. Regardez comment c'est cute. Je meurs. Là, je laisse la porte ouverte parce que les poules, ils se promènent. Mais regardez comment c'est cute. Je capote. C'est quétaine, mais c'est tellement moi. Ben, il faut vraiment que je ramasse les... Voyons. Allez, là. Les cocos. On en a une tonne. Fait que j'ai ramassé ça, puis je vais rentrer ça dans la maison. Donc, je suis en train de me faire des haricots verts. Ça va être méga bon. Résultat de ma soupe, Sam et son cousin, ils sont venus manger. Fait que je dirais qu'il m'en reste beaucoup moins, mais ils m'ont dit qu'elle était délicieuse. Fait que moi, je vais en prendre un petit bol, puis le reste, ça va être pour des lunchs. Puis regardez ma petite viande. Fait que c'était délicieux. Sam m'a dit que c'était vraiment très, très, très bon. Moi, je pensais que ça allait devoir cuire genre vraiment plusieurs heures, mais comme 1h15, je pense que c'était fait. Puis il paraît que les épices sur le dessus étaient délicieuses. Fait que ça va être ça pour le souper. Puis ça va être une soirée solo pour moi. Sam s'en va travailler en un de ses blocs, puis c'est tellement correct pour vrai, là. Je vais juste prendre ça méga relax. Je vais mettre une vidéo en ligne. Je vais me laver, me faire une grosse skincare probablement. Puis prendre ça méga relax, comme j'ai dit. Je vais peut-être lire un petit peu aussi. Puis écouter mes émissions. Puis essayer de me coucher tôt. Fait que c'est ça. Hey! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mercredi. Déjà, la semaine va tellement vite, là. C'est fou, ça va trop vite. Fait que c'est une belle journée. Ben non, non. Je dis que c'est une belle journée. C'est une belle journée, mais comme c'est vraiment gris, puis genre, je suis vraiment... Ouais, je suis légume. Donc, gourou est de mise aujourd'hui. C'est si bon. Mais, vraiment par rapport à ce que je vous dis ça, mais une gourou, moi, j'essaie d'en boire une fois par semaine parce que j'essaie de me le garder comme petit bonheur, ok? Puis aujourd'hui, j'ai écouté un podcast de Maud Poulain, une fille que j'adore. Pour vrai, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est tellement une de mes inspirations, genre, quotidiennes. Puis son bestie pod talk, je l'adore. Puis ce matin, j'avais de la route à faire pour aller chez un client, puis j'en ai écouté un. C'était par rapport aux déceptions puis aux attentes qu'on se crée. C'était vraiment intéressant. Puis il y a une phrase qui m'a vraiment marquée parce que je trouve tellement que c'est vrai. Puis genre, clairement, c'est quelque chose que je vais... Ben, tu sais, dans le fond, j'en ai jamais... Ben, comment je pourrais dire ça? C'est sûr que c'est quelque chose que je vais essayer de comme... Essayer d'éduquer un petit peu, genre, à mes clients, puis à... aux gens qui viennent me rencontrer, surtout aux adultes, mais ça, elle disait que dans le fond, les gens qui sont malheureux, c'est ceux qui sont pas capables d'apprécier les petits bonheurs, genre, qui attendent toujours les choses comme énormes pour pouvoir comme créer leur bonheur, puis c'est tellement pas ça, je trouve, puis si vous me suivez depuis quand même assez longtemps, puis vous commencez à me connaître, vous savez à quel point moi, un rien me rend heureuse, puis j'ai toujours été comme ça, genre mes parents qui m'écoutent, je suis sûre qu'ils vont dire la même chose, j'ai jamais été quelqu'un comme qui avait besoin d'extra, puis genre, de choses de luxe comme pour me faire plaisir là. Genre moi une gourou par semaine ça me rend tellement de bonne humeur puis genre ça fait que ma journée est entièrement plus belle mettons. Puis genre il y en a tellement de petits bonheurs genre les couchers de soleil, le son des grenouilles le soir là, ça a vraiment recommencé puis même un matin genre il mouillait puis c'est rendu j'ouvre toujours la porte patio que comme Simone elle se promène puis tout ça puis genre j'entendais les oiseaux
puis comme la pluie qui tombait pas pour vrai, là, ça m'a rendu heureux. Genre, c'est tellement cave, mais c'est tellement simple, ça n'a pas besoin d'être gros, genre, d'aller faire le tour du Dollarama. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Genre, c'est tellement des choses non, mais comme ça fait tellement du bien. Fait que si vous êtes un peu de ce genre-là, que vous avez de la misère à comme apprécier les petites choses, commencez. Genre, à regarder les petites choses qui pourraient vous rendre heureuse. Puis ça peut tellement être banal. Puis souvent, mettons, ça c'est quelque chose que je dis souvent, mais mettons aux adultes que je rencontre. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Puis je veux pas que tu me sortes, genre, un voyage dans le sud, là. Tu sais, j'ai vraiment envie que tu me sortes des petits trucs de ton quotidien qui te font du bien. Bref, c'est tellement pas ça que je vais vous parler, mais j'ai divagué. Je vais vous parler de ma deuxième atelier que je vais faire. Je suis vraiment contente. Fait que j'avais parlé là, que j'avais fait un atelier dans un organisme communautaire pour des personnes en santé mentale. Puis là, je retourne à la même place, dans le fond, dans le mois de juin. Mais ce mois-ci, ça va être sur la confiance en soi puis l'estime de soi. Puis j'ai tellement aimé ça. Genre, là, j'ai presque terminé, dans le fond, mon atelier, là, puis je trouve ça vraiment le fun de voir la différence entre la confiance puis l'estime de soi. Puis j'ai préparé, genre, plein de petites questions. À la fin, on va avoir une petite activité sur nos qualités, nos défauts, nos plus grandes peurs, puis tout ça comme vraiment pour apprendre à se connaître puis pour bâtir un peu notre confiance en soi. Bref, j'ai vraiment trouvé ça le fun, et que je vous ai d'en parler, là, de ce que c'était le prochain sujet. C'est ça, la semaine prochaine, j'ai vraiment une énorme semaine pour vrai, là. C'est terrible, mais... Je suis supposée aller me faire des ongles par une de mes meilleures amies qui était esthéticienne. J'en ai déjà parlé. J'ai vraiment hâte. Genre, pour vrai, ça, c'est une de mes motivations. Puis là, je l'ai texté justement pour savoir c'était quand c'est dispo la semaine prochaine. Et je vais essayer de faire rentrer ça dans mon horaire, genre quand je me déplace, peut-être pour ensuite de ça, comme me rendre là-bas. Mais bref, puis je vous avais parlé aussi de mes trois nouveaux mandats là, que j'avais avec un centre de pédiatrie sociale. Là. J'en ai un petit peu parlé. Je ne referai pas le tour là-dessus, mais. Dans le fond, aujourd'hui, j'avais une première rencontre avec un petit coco. Ça l'a full bien été. J'étais vraiment contente. C'est le fun. Puis demain, je rencontre aussi un nouveau coco à la garderie. Fait que ça va être intéressant aussi. Là, les premières rencontres, des fois, c'est comme toujours un peu comme stressant, puis en même temps excitant. Puis genre, tu sais pas trop comme sur quel pied danser. Tu sais pas comment ça va s'enligner, puis tout ça. Mais bref, fait que j'ai bien hâte. Fait que je voulais juste donner un petit update de tout ça, de ma semaine. Puis c'est ça. Je voulais vous parler aussi, dernière chose que je voulais vous parler, ça n'a vraiment pas rapport. Mais là, on dirait que je sens le besoin de comme me confier pis tout. Mais en fin de semaine, on a tellement passé une belle fin de semaine. Puis genre, tu sais, quand tu sens que tes batteries sociales, puis genre ta batterie comme est à 1000% rechargée, c'est tellement le feeling qu'on dirait que je ressens depuis la semaine passée. Genre, ben depuis notre fin de semaine, on est rendu comme mercredi, mais comme j'ai tellement passé un beau week-end, on a tellement pris ça relax, on a passé full le temps ensemble, moi pis Sam, pis genre de manière différente, même s'il travaillait, genre j'étais avec lui, pis il y a eu un tournoi de deck hockey, pis bref, on a tellement genre passé du beau temps de qualité ensemble, on a fait plein de petits trucs qui me rendent full heureuse. Fait qu'en tout cas, je voulais juste vous le dire, pis genre on a vraiment pris ça aussi relax, genre vendredi soir, on s'est juste fait du popcorn, pis ça a été comme tellement tranquille, mais ça fait tellement du bien, genre autant que j'aime sortir, autant que là j'apprécie de plus en plus le fait de rester à la maison. Pis Sam, c'était vraiment pas quelqu'un comme ça à la base, quand on s'est rencontrés, pis maintenant là, c'est rendu difficile quasiment de le faire sortir, tellement que faudrait qu'il est bien à la maison, pis veut pas, il travaille tellement que comme... C'est normal que quand il arrive à la maison, il a juste envie de comme relaxer et de rien faire. Fait que bref, je vous souhaite d'avoir des week-ends comme ça ou juste des moments comme ça qui comme ils rechargent vos batteries et qui vous rendent comme heureuse puis genre pimpée pour comme le reste de la semaine. Je voulais juste vous dire ça. Fait que bref, ça fait 6 minutes que je parle pour pas dire dans le fond grand-chose. Mais j'en avais besoin. Je viens de me faire un trop bon souper. Dans le fond, on va jouer au deck ce soir. Fait que je voulais que ce soit quand même assez léger. J'ai fait une comme de salade avec de la laitue romaine. J'ai mis du fromage, des cocombes, des piments, des oignons. J'ai mis des croutons, des épices genre à salade, là, genre qu'Alexandre Larouche utilisait pour sa salade de macaroni, bref. Des Everything Bagel. Puis j'ai mis des filets de poulet, juste que j'ai fait cuire vraiment basic avec la sauce César. Fait que ça va être délicieux pour vrai, c'est vraiment bon. Quand même bourratif, mais comme pas trop lourd non plus. Fait que deux bons bols, des idées de souper vraiment genre facile, pas cher, puis rapide.